Hayek, ce message que je t'envoie est surtout un avertissement. 4 années ont passé depuis l'élimination de nos cibles, mais le credo ne nous laisse aucun répit. J'ai capturé un courrier dont le message évoquait un autre artefact, cette fois en Haute-Égypte. Agis sans tarder. Remets ce paquet à Merti. Elle tient un commerce aux environs de Louxor. Ce n'est pas une amie. Elle me doit un service. Bayek, je compte sur toi. Tu dois trouver cet artefact à tout prix. Ne laisse personne utiliser son pouvoir sur ceux que nous avons juré de protéger. Bienvenue. Bienvenue à Thèbes, mon frère. Tu as besoin d'un logis? D'un meilleur bouclier? D'un garde du corps? Qu'est-ce que c'est? C'est la malédiction! Par la puissance de Ray, il a réussi à la frapper. J'honore les dieux. Elle vient retourne me chercher. Dans la boîte. J'ai rien volé. Pourquoi ces les gens sont innocents? Camon me protège. Camon nous garde tous. Je ne suis pas une proie facile. Qui est ça? De l'artefact. Il s'en sert pour faire revenir les morts. Tu dois arrêter cette malédiction avant qu'elle fasse de Thèbes une nécropole. L'informateur d'Amunet se trouve près de Louxor. Merti, tu sais ce que cette malédiction a coûté à Thèbes. Et à moi-même. Je n'ai plus personne. Ah! Tu as survécu à la malédiction! Toute la ville de Thèbes va parler de toi! Veille à ce que ça ne soit pas le cas. Assez, Soutek! Bien sûr! Aucun Philakitai n'entendra parler de l'homme dont les yeux portent la mort. On m'a dit que tu m'aiderais. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné ça? La femme que tu appelles Aya. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Un artefact rare. Je crois qu'il est à l'origine de cette malédiction. Oh, vraiment? Il y a des rumeurs. Une relique a été volée dans le tombeau d'un pharaon inconnu. Pour certains, c'est à cause de cette profanation que nous sommes maudits. Je dois la trouver. Il y a un marché noir ici, à Thèbes. Des enchères cachées, des transactions secrètes. Parle aux marchands près desquels ils en sauront plus. Dis à Aya que nous sommes quittes. Je m'en vais au sud. Cette malédiction ne me plaît guère. Et si j'ai d'autres questions? Va voir Isidora, l'épouse divine d'Amon. Elle sera plus à même de comprendre cette malédiction. Je suis Ptah, j'émerge des eaux silencieuses du moon. Je me tiens sur la première colline. Le voleur. Mais tandis que je regarde l'abîme, je comprends ma vacuité. Et je... C'est tout ce que tu as. Pourtant, on m'a dit qu'on trouvait des objets provenant des tombeaux ici. Les reliques, ça ne rapporte plus rien, Neb. Les gens veulent surtout se protéger des malédictions. Ils veulent des scarabées, des amulettes. Je cherche quelque chose d'insolite, d'ancien. J'ai de quoi payer.
Si tu cherches ce genre de babiole, va t'en voir Siamoun. Il a dans ses coffres ce qui se fait de mieux à Thèbes. Alors je vais m'accoupler à mon ombre. Où est-ce que je peux trouver un objet rare, porter deux enfants, doré, les cracher comme le et soleil. Les vomir. Et vous, j'en ai de l'or. Vous inclinerez devant nous. Tu veux quelque chose pour une femme? Quoi que tu cherches, Neb, tu ne trouveras pas mieux à Thèbes. Bienvenue, Séni, à l'échoppe de Siamoun. J'ai les marchandises les plus rares. Tu cherches quelque chose dans la grande ville de Thèbes? Un objet provenant d'un tombeau. Un tel trésor vaut le contenu du tombeau d'un pharaon. Partons, Neb. Les soldats ne sont que des idiots, mais leurs épées sont tranchantes. Allez, viens. Peu de marchands acceptent de vendre à un étranger. Et pourquoi ça? Tu es en plein cœur du marché noir. Si les reliques ne manquent pas, la confiance y est une denrée rare. Mais Siamoun est digne de la tienne. Au contraire des autres marchands. Certains pourraient chercher à profiter d'un homme qui vient de débarquer à Thèbes. Surtout s'il semble fortuné. Tu devrais être plus prudent, Neb. Reprenons où on en était. Je cherche un artefact volé dans l'un des tombeaux. Oh, cet artefact-là? Oui, oui. Mais Irsu ne doit pas savoir que je t'ai parlé. Irsu? Si je comprends bien, tu ne sais vraiment rien. Je sais comment égorger un homme avant qu'il puisse appeler au secours. Il y a des enchères. Très fermées. J'ai essayé d'y aller, mais je ne m'entends pas bien avec Irsu. Où est-ce que je peux trouver une invitation? Taemet en a une. L'historienne, tu la connais. J'avais joué au dé avec elle pour essayer d'en gagner une. Nous jouons sur un toit, au nord d'ici. Oh, Parorus, c'est tout ce que je sais. Laisse-moi la vie. Ah, nom d'une bouse de scarabée, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi rejouer. Si je perds, je te donnerai le double. Mais je t'en prie. Je sais que tu as une invitation. Jouons-la, d'accord? J'ai des pièces. Et si je veux garder mon invitation? Tu y as pensé? Ça m'étonnerait que tu en aies plus besoin que moi. S'il te plaît, ma mère est malade et elle aimerait tant que... Ton oncle ment mieux que toi. Qui a invité ce bandit? Il est avec toi. Je ne l'ai jamais vu. Gagné! Allez, paye, femme! Tu as triché! Comme tu l'as fait avec lui! Bandit! Je le savais! T'as engagé un garde, Taemet? Pardon, tu es encore marqué. Sûrement!
J'ai déjà perdu tout mon argent, Neb. Bayek, je ne veux pas d'argent, mais des informations. Et ton invitation. Aux enchères d'Irsu. Tu as entendu ce que j'ai dit à ce crétin roux de Soutek? Mais ce gamin ne t'a pas sauvé la vie, Taemet. D'accord. De toute manière, je préfère m'en aller. Avec ces profanations et ces pharaons qui reviennent à la vie. Tu sais ce que vend Irsu? Quoi que ce soit, c'est ce qui a amené la malédiction. Écoute, Irsu est un escroc. Ses acolytes et lui ont trouvé le tombeau de Nefertiti et y ont volé quelque chose. Et elle veut le récupérer. Personne ne mérite plus la mort que ce scélérat, mais elle en a après nous tous. Mon invitation est dans ma villa, près de l'entrée de Karnak. Prends-la. Si les dieux le veulent. Les dieux. Tu verras. J'ai une partie qui m'attend à l'autre bout de Thèbes. Que les dés soient avec toi, Bayek. Nous sommes dans la salle des deux vérités. Offre nos cœurs en jugement, afin que l'on nous déclare Maakeru juste de voix. Peut-être que le bureau de Taemet est en dessous. Aemet a enquêté sur l'origine de la malédiction. Un papyrus de l'Ancien Empire, concernant les mythes des pharaons. De Siwa. Combien de folies meurtrières va-t-il provoquer celui-là? Je dois me dépêcher de rejoindre l'île avant que la relique soit vendue.
Rien. Je reste là. Par une pomme à moitié mangée. Ce voleur ne manque pas d'humour. Des hommes de main. Mais où sont les marchands qu'ils devaient protéger ? Quelqu'un était pressé de partir d'ici. Mais d'où venait-il? Peut-être de s'être jeté sur le fleuve. Ils ont fait des prisonniers. Celui-là est mort avant qu'on le fasse embarquer. Les enchères étaient en cours. Quand les soldats sont arrivés. Quelqu'un a profité de la confusion pour prendre la relique. Mais qui ? Un soldat ou quelqu'un d'autre ? Ils ont tué les gardes du corps et ont capturé les marchands avant de les emmener au sanctuaire d'Hatshepsut de l'autre côté du fleuve. Quoi qu'il en soit, c'est là que mène la piste de la relique.